ma mission de facilitatrice chef de file consiste à accompagner la maîtrise d'ouvrage, donc SNCF Réseau, dans la mise en place de cette clause d'insertion. J'accompagne les entreprises et je les aide à définir les besoins d'insertion, à rédiger les fiches de poste. Et ensuite, avec les entreprises, nous sélectionnons les candidats éloignés de l'emploi qu'on va pouvoir positionner pour répondre au mieux à leurs besoins. À ce jour, nous avons 37 candidats qui ont été intégrés sur le projet EOL et 2 candidats qui sont sortis du dispositif puisque recrutés en emploi durable. Activity et Pôle emploi ont permis à 3 candidats de passer leur habilitation électrique de façon à pouvoir être intégrés sur la première opération EOL. L'un des aspects importants de la démarche, c'est que les candidats montent en compétences, qu'ils acquièrent de la qualification et qu'ils puissent, à la sortie du parcours, retourner vers l'emploi pérenne et se stabiliser.